Le marché parisien accentue ses pertes ce midi avec un CAC 40 en repli d'1,3%. Plus fort repli ce midi, BNP Paribas chute de près de 4%. La banque fait les frais d'une note de JP Morgan qui a dégradé le titre à sous-performance en visant 48 euros. Dans son sillage, Société Générale et Crédit Agricole cèdent chacun aux alentours de 2,5%. Du rouge aussi pour Air France KLM qui a annoncé une contraction de 0,5% de son trafic au mois de janvier. Du côté des hausses, on retrouve CGG qui bondit de plus de 4% malgré la recommandation ce matin à conserver de la part de Berenberg. Les pertes d'Areva dépasseront 3 milliards d'euros en 2014, d'après des informations obtenues par le journal du dimanche. Le groupe nucléaire a préféré ne pas commenter en amont de la publication de ses comptes annuels. Ce sera le 4 mars prochain. Et à cette date, le nouveau management devrait annoncer un vaste plan de redressement, passant notamment par une réduction des charges d'un milliard d'euros sur 3 ans. Il devrait aussi charger la barque sur les dépréciations en vue de lancer la restructuration sur des bases assainies. Et en parallèle, plus d'un milliard d'euros de cessions sont programmées. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.